Hi to my new subscribers, thank you for subscribing. Aujourd'hui je vais faire un haul Zara. J'ai ces articles là, ça fait environ 10 jours, 2 semaines. Et je me suis dit que si je fais pas ce haul là, vous allez manquer les soldes, parce que c'est la saison des soldes. En tout cas en Angleterre, c'est la saison des soldes Zara. Et ils essaient de liquider tous les articles. Vu qu'ils ont besoin de mettre d'autres articles d'été, tout ça. Donc je dois faire cette vidéo là et je vous dis que tout est à 50% moins 50% moins 75%, donc des prix abordables. Donc la première chose que je vais vous montrer, c'est cette magnifique chemise que je porte. Je l'ai eue par chance, je n'espérais même plus la retrouver parce que je pense qu'elle était en rupture de stock. Donc par hasard comme ça sur l'application, je regarde et elle était là disponible. Donc j'ai pris en taille S, elle me va super bien, elle est super belle, vraiment élégant. Donc vous avez une seule manche, malheureusement la manche en fait je pense qu'elle est un peu courte. Mais bon, je la prends quand même, je l'aime quand même. Cette blouse m'a coûté moins de 15 livres, je pense. Je vous mettrai tous les articles, tous les infos dans la barre d'infos. N'hésitez pas à ouvrir, en fait, de cliquer dessus et vous allez voir tous les liens, en fait. Deuxième article, c'est l'un de mes articles préférés. Je suis tombée dessus, je suis amoureuse de cet article, en fait. Donc, c'est cette magnifique chemise. Donc c'est une chemise sans manches. Vous avez l'effet, ce qui est à la mode maintenant, les chemises et les t-shirts sans manches. Mais cette blouse là n'a pas de des épaulettes. Elle est magnifique, vous avez un effet drapé super classe. Portée, elle est magnifique. J'avais commandé en couleur beige, tout ça, et creux beige, non, en beige, mais j'avais pas aimé la couleur parce que en fait ça allait pas avec mes vêtements en fait, et j'ai dû la recommander. Donc j'ai commandé une taille, la couleur écreu blanc cassé, c'est un blanc cassé ou blanc, hein, je sais pas trop. Donc voilà, elle est juste magnifique. Celle-ci, elle m'a coûté, je pense, 29 livres. Cet article n'est pas en réduction. Ouais, j'ai pris en taille S, elle m'a coûté 30 livres. Donc voilà, magnifique. Donc après ça, j'ai pris bien sûr les basiques de chez Zara. J'en ai pris qu'un seul parce qu'il y avait plusieurs couleurs. Il y avait en rose et en noir. Je voulais que le blanc. Donc voilà, j'ai pris le blanc. Vous avez un décolleté mais très plongeant. Mais sinon il est super beau, et si vous le portez avec des vestes, des blazers qui ont des cols V, ça fait super élégant. Voilà, voilà, si vous avez une petite poitrine, sans problème en tout cas. Et ça m'a seulement coûté 5,99 livres, et maintenant je pense que vous pouvez l'avoir à 3,99 livres. Après j'ai pris le fameux blazer blanc que tout le monde a. Voilà, ce magnifique blazer, il est super joli. Je l'ai trouvé quant à elle, ça me dérange pas du tout. Donc vous avez des boutons là, en fait il n'y a rien à dire, cette veste, ce blazer est magnifique, il est vraiment beau, rien à dire. Maintenant je pense qu'il est passé à 15 livres si je me trompe pas, mais il est très difficile à retrouver. Et voilà, manche longue, élégant, tout ça, tout ce que j'aime. Je cherche en marron clair, oui c'est en marron clair, je cherche. Et je pense qu'il est en rupture de stock déjà, donc je sais pas trop si je vais le retrouver. Après, je suis tombée sur cette magnifique robe blanche d'été. C'est une maxi robe. En fait, tous les articles que je vous montre, c'est des articles blancs. Hein. Ok, ça va. Donc c'est une robe, maxi. Vous avez un petit bouton doré, 3 ou 4 étages en col V. Super joli aussi, j'adore. Je l'ai eu pour 19 livres ou peut-être moins cher, 15 livres je pense.
Voilà, donc vous avez les manchettes, les manches bouffantes et vous avez un effet élastiqué. Cet article, je ne suis pas sûre si vous pouvez retrouver. En fait, je ne suis pas trop sûre si vous pouvez retrouver cette robe. Mais en fait, sur l'application, il faut tout le temps vérifier. Et vous allez peut-être la retrouver. Ou peut-être en boutique, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui partent rendre, échanger des articles. Donc voilà. Après, j'ai pris un jean blanc, encore blanc cassé. Donc voilà le jean slouchy. Donc, il m'a coûté 12,99 €, mais maintenant je pense que vous pouvez le retrouver pour 6,90 €, si je ne me trompe pas. J'ai pris en taille 38, donc la taille 10 parce qu'il n'y avait plus de taille 8. Il est un peu grand, je ne sais pas si je vais l'échanger. Si je le retrouve en boutique en taille 8, là je vais l'échanger. Si pas, je ne suis pas sûre parce que j'aime beaucoup en fait. C'est un effet, comment on dit, wax en fait. C'est un effet, voilà quoi. Il n'est pas trop, il est jean mais un effet wax, cire. Ouais. Il est super beau, hein. Il est beau en tout cas. Donc voilà, donc vous connaissez un jean slouchy en bas et comme ça vous pouvez plier. Après j'ai pris un autre jean. Celui-ci c'est un jean relax. J'ai pris de la taille 36 parce que en fait quand c'est un jean relax en fait faut savoir que ça sera déjà grand. Ce que je voulais quelque chose, voilà, un jean qui me sert pas. En fait je ne supporte plus les jeans qui me serrent sur la peau, le corps. Je sais pas ce qui se passe, j'aime plus les skinny jeans. Voilà, ce qui est pas mauvais en tout cas. Donc voilà le jean, il m'arrive jusqu'à la jusqu'en haut de mes chevilles. Donc il est un peu distress, mais pas trop en fait. J'aime beaucoup ce jean, je pense que je vais en acheter un autre en fait. Le petit bémol, je pense que je sais pas pourquoi ils ont mis ça derrière. Ça me dérange pas trop, mais après si je veux le porter par exemple avec, je sais pas, quelque chose de comme cette blouse par exemple, ça va faire un peu, je sais pas, voilà. Bon après c'est un genre de jean relax, hein. Mais sinon il est très très beau. Donc je l'ai pris en taille 8 comme je vous ai dit et il me baille un tout petit peu ce que j'aime en fait, ce que je recherche. Voilà. Et en bas, il est comme ça. Après, j'ai pris la fameuse blouse. Cette blouse là, elle est en rupture de stock. Je pense pas que vous pouvez la retrouver. À part si vous la retrouvez peut-être en boutique, si quelqu'un est venu l'échanger ou quoi que ce soit. Donc c'est la blouse rose pâle. C'est une rose, non c'est pas rose pâle, c'est un vieux rose. Et voilà, c'est un, en fait c'est une, ouais c'est une blouse, hein. C'est une blouse avec des manches romantiques, des manches bouffantes. La couleur est juste magnifique. Le modèle est joli. Vous avez un décolleté carré. Mais le petit bémol avec cette blouse là, je sais pas en fait, c'est pas un crop top. Et il est pas long en fait. C'est pas mauvais, mais après faut le porter. Pour moi en fait, faut que je porte avec des jeans taille haute. Ça me dérange pas parce que ces temps-ci en fait, presque tous les jeans sont taille haute. Il est super beau. Celui-ci, je l'ai pris à 25 livres, si je me trompe pas, mais j'irai me faire rembourser parce que je pense qu'il est, il est à 12 livres ou 15 livres maintenant, donc j'irai me faire rembourser, après je le rachète. Faut être intelligente. Donc voilà, je vais faire ça. 25 livres, il est magnifique, il est très très beau. Pour ma dernière pièce, j'ai mis mes articles par terre, donc c'est pour ça que je les prends par terre. J'ai pris cette magnifique robe, les gars. Je vous dis, j'aime la couleur lilas. Cet été, c'est ma couleur. Cette robe est magnifique. Je suis tombée dessus par hasard encore. Vous savez, c'est des articles en fait que vous cherchez même pas après. Oh, ok, c'est revenu. C'est cette magnifique robe en couleur lilas. Vous avez un décolleté V, une fermeture éclair derrière et vous avez une fente devant. Voilà, elle est magnifique. Comme ça, en fait, ça donne rien.
Attends, je vais la pousser devant pour que vous voyez un peu la texture. Faire ça. Et voilà. Donc, voilà. Rien à dire en tout cas. Ah non, 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 j'ai quelque chose à dire par contre. Du côté des hanches, non, des hanches, de la taille, en fait, elle serre un peu. J'ai pris la taille 10 qui me va super bien, mais juste, il y a une élastique là, en fait, qui serre un peu trop. Mais à part ça, voilà, elle est très très belle. Quoi, le petit bémol aussi, le décolleté est un peu, voilà, il glisse en fait, il s'ouvre un peu trop, mais en fait, si ça vous dérange pas de montrer un peu de poitrine, tant mieux. Voilà, donc je vous ai montré tous les articles que j'ai eu. En tout cas, de ma part, je suis très contente d'avoir retrouvé ces pièces à prix abordable chez Zara. Pour ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.